Bonsoir, on a senti une amélioration ce mercredi avec un soleil souvent plus généreux et des températures un peu plus élevées que les journées précédentes. Elles étaient quand même en dessous des normales de saison et ça ne va pas s'améliorer pour la fin de semaine. On commence donc par les prévisions pour votre matinée de jeudi. Nous retrouverons de nombreux nuages qui vont descendre de mer du Nord sur l'ensemble des régions du Nord et du Nord-Est avec quelques ondées, notamment entre la Champagne ou encore l'Alsace-Lorraine et l'Est de la Belgique. Quelques éclaircies reviendront à l'arrière près de la mer du Nord. À l'avant, un ciel voilé mais encore lumineux du nord de la Bretagne jusqu'à la région Rhône-Alpes. Et puis beaucoup de soleil à prévoir depuis l'arc océanique en descendant jusqu'au bassin de la Méditerranée, toujours du vent près du golfe du Lion. Dans l'après-midi, ces nuages vont se décaler vers les frontières de l'Est. On va donc les retrouver des régions centrales jusqu'aux frontières allemandes et italiennes, avec encore des ondées assez régulières entre l'Alsace, la Franche-Comté et la Suisse. Peut-être quelques coups de tonnerre isolés dans le centre du pays, mais aussi entre l'extrême sud-est et la Corse. Un ciel voilé près du bassin de la Méditerranée, avec toujours du vent près du golfe du Lion. Et puis plus de soleil dans les régions du Grand Ouest, depuis la Bretagne en descendant jusqu'aux Pyrénées, avant le retour de nouveaux nuages en fin de journée par les côtes de la Manche. Les températures pour votre jeudi matin sont comprises entre 7 degrés en Normandie et 17 degrés pour la maximale à Nice. Entre les deux, comptez sur une dizaine de degrés en région bruxelloise, 11 à Paris ou encore 12 degrés pour le Pays basque. Et puis dans l'après-midi, on a des valeurs semblables à celles de la veille, toujours inférieures aux normales de saison, notamment sur le quart nord-est où elles seront toujours bien fraîches. 15 degrés, pas plus, du côté de Berne, 16 à peine à Épinal, 17 à Strasbourg, 18 à Lille, 19 degrés pour Rouen, 20 à Rennes, 20 également à Clermont-Ferrand, 21 à Tarbes, entre 22 et 23 degrés dans les plaines du sud-ouest, et puis les maximales toujours près du bassin de la Méditerranée, jusqu'à 25 à 26 degrés. La fin de semaine avec la journée de vendredi, une journée bien morose sur l'ensemble du territoire. Comme vous le voyez, de nombreux nuages vont s'infiltrer sur la quasi-totalité des régions. Ils apporteront quelques ondées, mais pas grand-chose, des régions centrales jusqu'au Benelux. Quelques ondées également alternant avec quelques éclaircies près les frontières de l'Est, avec pourquoi pas quelques coups de tonnerre entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Et puis un temps plus ensoleillé quand même près du bassin de la Méditerranée, mais toujours ce vent sensible près du golfe du Lion. Vous notez également que le soleil devrait revenir en cours d'après-midi sur la pointe du Finistère et les températures seront à nouveau en baisse, 18 en moyenne au nord l'après-midi, 20 au sud, ça sera nettement en dessous des normales de saison. Pour samedi, une situation très semblable à celle de la veille, avec encore de très nombreux nuages sur la plupart des régions. Quelques gouttes à prévoir dans les deux tiers nord, notamment sur un petit quart nord-est entre l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté ou encore la Suisse. Retour des éclaircies en fin de journée par les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Et puis un temps ensoleillé des Pyrénées jusqu'au bassin de la Méditerranée, avec encore et toujours ce vent près du golfe du Lion. La suite avec les journées de dimanche et de lundi, une amélioration est attendue avec le regonflement de l'anticyclone des Açores. Dimanche, quelques résidus nuageux des Pyrénées jusqu'aux frontières du Nord-Est avec encore peut-être quelques gouttes mais très localement. Retour de belles éclaircies dans les régions du quart Nord-Ouest et puis toujours du soleil près du bassin de la Méditerranée. La bonne nouvelle également pour les températures avec des valeurs qui gagneront plusieurs degrés et qui se rapprocheront des normales de saison. Des normales de saison qui seront partout atteintes pour lundi avec 23 en moyenne au nord l'après-midi, 26 au sud et d'autant que le soleil va briller sur quasiment tout le territoire généreusement, avec quand même des passages nuageux un petit peu plus présents près des côtes de la Manche. Et puis enfin pour mardi et pour mercredi prochain, eh bien a priori un soleil prédominant avec de belles éclaircies sur la plupart des régions, notamment dans les régions de la moitié sud, un peu plus de nuages dans le nord-ouest du territoire avec un risque d'averse mais ponctuel, le tout dans une atmosphère qui sera plutôt estivale puisque les températures seront conformes aux normales de saison, 23-26 degrés en moyenne pour mardi, 24-27 pour mercredi. Voilà donc pour ce bulletin. Demain, nous serons le jeudi à 27 juin. Vous fêterez les Fernands. Le soleil va se lever à 5h49 pour se coucher à 21h58 et nous perdons une minute d'ensoleillement. C'est le début. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Bonsoir.